Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une carte Side Imaging Mosaic avec AutoChart Pro. On commence par lancer le logiciel AutoChart Pro et on retrouve notre interface avec nos différents enregistrements. Si vous ne reconnaissez pas cette interface, je vous invite à vous référencer à la vidéo « Comment créer une carte avec AutoChart ». On clique sur l'onglet Side Imaging et il est alors possible de sélectionner un enregistrement. Une fois notre enregistrement sélectionné, AutoChart affiche automatiquement le secteur correspondant à cet enregistrement et crée alors notre carte Side Imaging Mosaic à partir de notre enregistrement. En cliquant sur le bouton Échelle de profondeur, il est possible d'ajuster automatiquement la luminosité et le contraste de notre carte Side Imaging Mosaic. Ensuite, en cliquant sur le bouton Générer la carte Lake Master, AutoChart se charge de mettre automatiquement à jour la carte SD Zero Line avec les nouvelles données. Il sera alors possible d'utiliser cette carte Side Imaging Mosaic sur notre combiné Hummingbird. AutoChart nous informe que notre carte SD Zero Line a bien été mise à jour. Il nous propose d'utiliser la nouvelle carte comme arrière-plan. Il est dès lors possible de retirer la carte SD Zero Line de l'ordinateur afin de l'utiliser sur notre combiné Hummingbird. En générant la carte de bathymétrie, en cliquant sur le bouton Créer la carte, il est ensuite possible d'afficher notre carte Side Imaging Mosaic en 3D. Il suffit de cliquer sur le bouton Vue 3D et on obtient une vue 3D de notre carte Side Imaging Mosaic. On reclique sur le bouton Vue 3D pour revenir au mode standard. En cliquant sur les boutons Afficher la profondeur ou Afficher Side Imaging, il est possible de naviguer entre les différentes cartes. Dans le menu Side Imaging, il est possible d'importer de nouveaux enregistrements afin de compléter notre carte Side Imaging Mosaic. Il est également possible d'effacer la mosaïque. Ensuite, une autre option va nous permettre par exemple de rejouer nos données Side Imaging. Il suffit alors de sélectionner notre enregistrement et AutoChart s'occupe de rejouer l'ensemble de cet enregistrement et de créer en direct notre carte Side Imaging Mosaic, comme nous pouvons le voir à l'écran. Il est également possible de naviguer dans l'enregistrement et d'arrêter celui-ci. Toujours dans notre menu Side Imaging, le sous-menu Paramètres nous permet d'accéder à un ensemble de réglages de notre carte Side Imaging Mosaic. On pourra ainsi intervenir sur la sensibilité, le contraste, mais encore la couleur de notre carte Side Imaging, par exemple en choisissant la palette de couleur ambre, mais également sur des modes de dessin. Le mode de dessin écrasé. Lorsque l'on importe un enregistrement plus récent, le dessin de celui-ci écrasera les enregistrements précédents. Le mode mélanger, comme son nom l'indique, mélange les différentes images de nos enregistrements. Les modes garder le maximum et garder le plus proche utilisent des algorithmes afin de créer la meilleure image possible à partir des différents enregistrements. De façon générale, le mode garder le maximum permet de répondre à l'ensemble des situations. Dans les pré-traitements, on retrouvera différentes options comme la correction de la colonne d'eau qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer la hauteur d'eau sur nos enregistrements Side Imaging. Voilà comment créer une carte Side Imaging Mosaic avec AutoChart Pro.